Après cette intro digne de Sentai, nous voici donc avec GG Shinobi, sorti en 91 sur la portable de Sega, la Game Gear. Donc vous comprenez que GG veut dire Game Gear. Bon, on va y aller. Alors là, comme dans, là, on se retrouve dans un jeu à la Megaman, c'est-à-dire on peut choisir son niveau de départ. Et une fois qu'on aura fait les 4, le niveau central se débloquera. Vous allez dire pourquoi on peut choisir son niveau. En fait, chaque niveau correspond à une couleur, c'est-à-dire là on a rose, bleu, jaune, vert, ce qui correspond à un ninja à libérer. Et donc, chaque fois qu'on finit un niveau, on va libérer un ninja qui aura des capacités que Jomusashi n'a pas. Et donc à la fin, on aura 5 ninjas différents, avec chacun leur capacité. Bon, moi je vais commencer par le niveau rose. Quoique ça fait un peu vraiment encore penser à Megaman, puisque une fois qu'on bat le boss, on débloque un ninja d'une autre couleur. Ce qui est un peu comme quand dans Megaman, dès qu'on bat un boss, on gagne son pouvoir et Megaman change de couleur pour son nouveau pouvoir. Donc c'est à peu près la même chose. On va y aller. Je vais prendre le rose parce que déjà c'est un niveau que j'aime bien. Parce que ça c'est assez intéressant. Déjà la première partie où on se déplace sur l'autoroute. On slalomant sur les voitures. Voilà un truc qui me fait marrer, c'est si vous voyez ceux qui me tirent dessus au fusil, on dirait des chasseurs. Saleté, un kamikaze qui se suicide. Bon, moi, il gagne une vie et il y a une bombe. Voilà, on évite la bombe. On saute. Il y a un Jason Voorhees qui me suit. Un deuxième là. Chasseur, il va dégager. Le deuxième aussi. Hop, les deux d'un coup. Je gagne un ninjutsu. Si on met pause, ça me permettra donc plus tard de changer de ninja. Là vous pourrez manger avec le rouge Jomusashi. Après j'ai un ninjutsu qui change en fonction du ninja, il me semble. La vie, là, c'est encore sauté et voilà, on passe à la deuxième partie. Bon, comme c'est de la Game Gear, je trouve que les sprites sont assez rikiki, hein. Sur Master System, on était quand même plus gros. Hein. Il faudrait trouver de la vie là. Ouais, bah ça, tiens, justement, quand on parle de l'eau, là, va falloir que je monte les étages. D'ailleurs, pour un ninja, je trouve qu'il saute pas très haut. Hein. On s'était beaucoup plus haut dans le premier sur Master System. On est quand même à... là, on est quand même en 91. C'est-à-dire, la série existe depuis 4 ans. Ils auraient pu un peu s'améliorer pour ça. D'ailleurs, son look rappelle assez le look qu'il a dans les Shinobi sur Mega Drive. Voilà. Oh, saleté. J'espère que c'est un cœur là. Non, une bombe. Saleté. Allez, bonus plaisir, ça m'énerve ça. Il ne reste plus qu'un seul point de vie. Faut que j'arrive à trouver de quoi me soigner. On me tire dessus, Warpon. Bon, on va recommencer. Toi, tu dégages. Oh, j'aimerais ça aussi, c'est pouvoir courir. Et ça, en plus, ça marche pas. Et là, 5 heures, ça je sais. Hop. Dégagez-vous. Mais ça, c'est quand même propre, hein, pour malgré que l'esprit soit tout petit. Le jeu reste quand même propre, hein, même si les décors sont assez simplistes parfois. L'ensemble reste assez joli et propre, mais c'est vraiment petit. Pour la musique, ça va, l'ambiance est bonne. Ah, c'est le mec au marteau là. Ça t'est, mais dégage toi. Voilà, c'est une bombe, je crois. Ouais. Et moi j'ai plus que 2 points de vie. Hop, monte. Ah mais on peut pas se débarrasser. Ah même pas, c'est des flèches. Je crois que c'était un pont qui me tirait dessus. Ah ça c'est dur. Hein. De toute façon quand je mourrai, j'essaierai de faire un niveau pour m'en montrer un autre. Voilà. Je vais essayer la vie en bas, je viendrai la rechercher après.
C'est-à-dire si on tombe, ça va. Les sauts, les descentes ne font pas perdre de points de vie. Voilà, crève. Voilà, j'ai plus beaucoup de points de vie et je vais redescendre pour aller chercher le cœur. Allez hop. J'ai pas l'impression que les ennemis ripop, ça c'est bien. Allez. Oh merde, ça t'as bouki. Ouais, donc sur Game Gear, il y a eu deux épisodes Shinobi, des inédits. Bien que le jeu soit lent, il reste quand même passionnant. Je crois que c'est aussi un cœur là, donc je le prendrai après. Allez, je flamme en premier. Voilà, là c'est une bombe. Bien que j'étais touché, je peux aller chercher le cœur qui est ici. Oh, le problème c'est que là, elle est vraiment loin, la détente le personnage. J'espère qu'il y a des ninjas qu'on récupérera, sera aura comme pouvoir la rapidité. Crève toi. J'en ai 20. Ah, c'était. Je le disais, voilà. J'ai enfin pu passer. Oh non! C'est le game? J'ai combien de vies, là? Ah, j'ai encore 2 vies. C'est long. Voilà, je les ai eus. Je vais les avancer le plus loin possible et après récupérer les points de vie. Voilà, crève-toi. Toi aussi, là c'est des points de vie, si tu pas de bêtises. Voilà, crève, je vais rechercher des points de vie. Mais ça en bas je les garde pour après. Tant pis si je devrais faire chemin inverse. Putain, il trace le Jason. Allez hop. Crève. Et crève toi aussi, je vais rechercher les points de vie. Alors je vais gagner quoi? Ouais, je m'en faisais, j'ai gagné un Nedjetsu. Et voilà, maintenant je remonte. D'ailleurs, à propos de Ninja, alors où je vous parle, j'ai maté le broché sur Game On et il y a un épisode de Naruto qui attend de passer. Moi je m'en fous, j'attends South Park qui après. D'ailleurs ça m'énerve que maintenant il passe deux épisodes de Naruto et un South Park. Je préférais avant. D'ailleurs j'aimerais savoir c'est quand ils vont passer la deuxième partie de la nouvelle saison. Ouais, j'avais eu. On continue d'avancer. Et comment on monte maintenant? Peut-être comme ça, hop, voilà, il y a un mur. Et encore un archer. Là, ça a carrément fait disparaître l'archer là. Bon. Je regarde ce qu'il y avait là-bas. J'espère c'est une vie. Ah ça m'a donné plus de points de vie, ça c'est bien. Ah ça lui est revenu. Il veut se venger. Bon, je sais pas trop ce que c'est, ça jette une bombe à tous les coups. Et je suis au premier boss, un hélicoptère.
Sérieux, mais comment on le touche? Il m'a tué. Sérieux, mais comment on le touche? Moi, j'espère le battre là. Comme ça me prend moins de ninja. Allez, j'ai trouvé le truc. Ah, ça veut pas. Ah, saleté. Oh non, il m'a encore eu. Là, je trouve que c'est ma dernière chance. Hop. Hop. Saleté. Je l'ai eu, là. Ah mais saleté, j'en ai marre, c'est des fois il attaque par derrière. Ah saligo. Bah je suis game over. Bon, on va changer de niveau. On va s'attaquer au bleu, voir ce que ça donne. Ah là faut se déplacer sur des rondins. Ah je crois que c'est une otage la fille. Ah salaud! Ah il est dur ce niveau. Hein. Ouais d'accord, t'as même pas le temps de sauter que tu finis à l'eau. Ah saleté, lui t'as pas le temps de le gérer, ça qui est énervant. Voilà, hop. Ah fallait attendre les rondins qui sont ici. Oh. Oh, il est vicieux au niveau. Voilà les rondins, ils passent là. Ah saleté du jeu, on va jamais arriver. On saute là, hop. Ah sale. T'as le m'énerve avec ses couteaux elle. On a saisi des cœurs là. J'essaie d'avancer. Voilà, hop. Hop, ah, comment on monte là-haut? On va avoir un autre détour en plus. Oh non. Pas de boulet. Bon, bah, on va changer de niveau. On va prendre le jaune. C'est donc vendu ça ou quoi? Ah, saleté. Ah, il revient là avec son maillet. Oh le con. Mais crève-toi. Ouais, le jeu est bien, mais le bon problème, c'est que. D'ailleurs, ce que j'ai entendu, que j'ai lu, certains niveaux, il faut les refaire avec d'autres ninjas pour pouvoir atteindre certains endroits. Parce qu'on va avoir des ninjas qui vont marcher sur l'eau, des qui vont sauter plus haut, etc. Des qui pourraient escalader les murs. Eh ben, je suis encore mort. Pouh, ça m'énerve. Ah, les niveaux sont compliqués. Hein. Crève-toi. Ah, saleté. J'en ai marre qu'ils me prennent comme ça. Il est complètement con. Il reste retourné. Il voit même pas que je suis derrière lui. Oh là, c'est bon. Ouais, ils sont morts. Je vais souffrir par un coup. Le cracheur de feu gonfle. Ah mais saleté. Allez hop. J'essaie de monter là. Voilà, c'est réussi. Et comment j'avance? Ah, c'est pas la sortie. Bof. Au moins j'ai vu la sortie. Je sais où aller. Là, faut que j'aille avancer sans faire trop. Exploser la tronche. Voilà. Alors il faut que je fasse gaffe avec ce cocktail molotov à deux balles. Ah. Ok.
Mais saleté, mais ils sont trop nombreux ces cons. Mais ah, ah, il est difficile le niveau là. Ah, ça m'énerve qu'on peut pas utiliser de shuriken ici. Ah, oh, quand mort. Il est repassé lui. Moi, je combien de vie? C'est ma dernière là, tout le coup. Mais tu veux le tuer, ouais? Mais ah, oh, des fois les collisions, c'est pas ça. Allez, hop, crève toi aussi. Hop, voilà. Ah, je me pense à cette bombe à sûr. Crevez vous deux. Hop. Cracheur de flamme, faut que j'attende. Ah mais, eh, sérieux. Donc voilà, il est vachement difficile à côté des deux autres. Hein. Enfin, le bleu, celui avec la rivière, il est aussi assez dur. Hein. Faut avouer. Donc pour moi, il y a le premier niveau qui, où je m'en sors bien. En plus, c'est pas mal, il y a un effet de passer en mode nuit là. Enfin, par contre, la pluie, elle est un peu buggée. Je la trouve un peu foireuse la pluie. Mais bon, c'est un peu. La pluie, ouais, elle est vraiment ratée. Ouais, crève toi. Pourquoi les bombes ça peut pas tuer les ennemis, ça m'énerve ça. Ah, j'ai l'impression que la pluie fait ramer le jeu. Il n'y aura plus de niveau. Ah ouais, faut faire l'intérieur du bateau, je m'en serais douté. La main qui se prend et qui se croit dans Donkey Kong. Mais... il y a un gars ventouse au plafond là. Et crève du... crève toi. Oh non, donc il m'énerve, allez. Et va, je suis mort. On va tenter le dernier et puis on arrête alors. Hop, de toute façon, on va continuer. Pour le ninja vert. Ah, je pensais plutôt que ça allait être la forêt. Il va arrêter de nous suivre celui-là. Ah, c'est un vrai foutoir cette forêt. Putain, qu'est-ce qu'elle est peuplée cette forêt. Au moins je voudrais vous montrer au moins un boss du jeu. C'est le hélicoptère là. Je préfère largement l'hélicoptère quand même dans... Hey, il m'a tué en deux coups, j'hallucine. Ils sont chiants, oui. Hop, faut que j'aille remonter. Voilà, voilà, je suis au maximum d'écran. La saleté. Et hop. Oh. Ah, de la vie, ça c'est bien. Crève-toi. Et par où je passe là. C'est mon ah, saleté ninja de balle. D'ailleurs, un ninja aussi coloré, il est pas très discret. Hein. Saleté si circulaire qui bouffe tout trop. Ouh, ça m'énerve. Ah, il est circulaire, qu'est-ce que ça peut bouffer comme lui? C'est hallucinant. Voilà. Voilà. Ah mais il m'a encore pris en sandwich. Je crois que ça m'énerve. Allez. Crève-toi, voilà. Je monte, je monte, je monte, je monte. Raté, hop, je monte, je monte. Ah, saleté. Ah, il m'énerve là avec leur couteau. Ah.
au moins 5 heures. Ah, sauter. Pas de crevailleur. Ah, moi qui pensais pouvoir atterrir sur le petit morceau de bois, mais c'était trop beau. Bon, ben, je vais arrêter là. C'était JJ Shinobi, sorti en 91 sur Game Gear. Bon, ben, on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez.